Bonjour à tous, ici le pasteur Nathan Ferrer, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans cette vidéo pour aujourd'hui essayer de répondre à cette question délicate. Le chrétien peut-il fêter Noël? Alors voilà une question qui fait débat et qui divise puisque comme beaucoup de sujets, il y a ceux qui sont pour et puis ceux qui sont contre et qui voient derrière cela seulement une fête païenne, une fête commerciale qu'il faut à tout prix éviter. Puis il y a une troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui sont indifférents. Alors, puisque j'imagine avoir ces trois catégories de personnes en face de moi, j'aimerais déjà appuyer quelque chose d'important, c'est que le but de cette vidéo, c'est pas de créer de la polémique, mais c'est vraiment de réfléchir ensemble et déjà dans un premier temps de regarder à l'origine de Noël, d'où vient cette fête, comment est-elle née, et puis ensuite de regarder à la parole de Dieu pour voir ensemble quand est-ce que Jésus est né. Est-ce que vraiment il est né un 25 décembre? Est-ce qu'il est né au mois de décembre? Est-ce que vraiment il y a dans cela quelque chose que nous pouvons rattacher avec quelque chose de chrétien? Et puis surtout, quelle attitude nous devons avoir dans cette période de Noël et que nous soyons pour ou contre cette fête? Parce qu'il y a ici une clé, une opportunité pour tout chrétien en cette période de l'année et on va regarder ça ensemble. Alors déjà, le premier point, c'est l'origine de Noël. D'où vient Noël et comment Noël est né? Eh bien, la véritable origine de Noël, elle remonte au 1er siècle après Jésus-Christ, lors du solstice d'hiver, le 21 décembre, cette date à laquelle les jours commencent à se rallonger, où l'on célébrait la naissance du dieu Mitra, le soleil invaincu pour lequel eh bien, on sacrifiait des jeunes taureaux. Et en 274, l'empereur Aurélien eh bien, déclare le culte de Mitra comme une religion d'État et il fixe la célébration de ce solstice le 25 décembre. Et par la suite, le christianisme prenant de l'ampleur, eh bien, ces fêtes païennes de décembre, elles furent de moins en moins acceptées par le clergé romain. Et au IVe siècle, eh bien, les évêques de Rome décidèrent que la fête célébrée le 25 décembre en l'honneur de la naissance de Mitra, eh bien, deviendrait la fête où l'on célébrerait la naissance de Jésus. Et c'est très intéressant puisque on voit en 354 que le pape Libère eh bien, instaura la fête du 25 décembre à une valeur, il a associé cela à une valeur symbolique qu'on retrouve dans la Bible, qui est lorsque Jésus déclare « Je suis la lumière du monde ». Et il a dit « Puisque d'une certaine manière, on célèbre la naissance du Dieu Soleil, que ça a trait à la lumière, et que Jésus a dit qu'il était la lumière du monde, eh bien, on va faire un joli amalgame de tout ça et on va contenter tout le monde ». Donc on voit qu'il y a dans cela absolument rien de biblique ni même de chrétien. En ce qui concerne ensuite un petit peu les choses qu'on retrouve dans cette fête, à savoir la crèche et le sapin de Noël. La crèche, elle est apparue au 15e siècle, donc bien des siècles après, pour la première fois en Italie, où on était en train de créer des scènes pour nous souvenir eh bien, de la naissance de Jésus. Et concernant le sapin, alors là aussi, ça a une origine tout à fait païenne, des cultes païens, puisque c'est les Celtes qui faisaient cela et qui avaient adopté un calendrier basé sur les cycles lunaires. Et à chaque cycle lunaire était associé un arbre. Et dans ce dernier cycle lunaire de l'année, il y avait l'épicéa qui était associé à ce cycle lunaire. Et l'épicéa, eh bien, c'était le symbole de l'enfantement. Et il a été l'arbre du 24 décembre, cet épicéa, ce sapin, parce qu'il était considéré comme le jour de la renaissance du soleil. Étant donné que l'épicéa était le symbole de l'enfantement, eh bien, c'est l'arbre qui était donné pour cette date. Et j'aimerais ici ouvrir une rapide parenthèse parce que le sapin de Noël est souvent un argument de poids pour ceux qui sont contre cette fête puisqu'il est fait mention à deux reprises dans la Bible, dans deux passages, du sapin et même de l'arbre qu'on décore très, très précisément. Et quand on lit ces passages, on va en lire un, on a un descriptif qui nous paraît être vraiment bluffant en se disant « mais on dirait que c'est notre sapin de Noël qui est décrit ici ». Regardez avec moi dans Jérémie 10, des versets 2 à 5. On voit qu'il dit ceci. « N'imitez pas la voix des nations, car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, et on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. » On a l'impression dans ces versets d'avoir vraiment un descriptif de notre arbre de Noël avec cette décoration, cet argent, cet or qui est mis dessus, le fait qu'on le pose sur un socle pour que vraiment il ne bouge pas, qu'il soit là comme un objet décoratif. On a l'impression que Jérémie condamne cela, condamne
le fait d'avoir un arbre chez soi et de le décorer. Mais c'est mal comprendre ce passage puisque on voit que ce que Jérémie dénonce, et ça c'est au verset 5 qu'on le voit précisément, c'est le fait de prendre un arbre et de le vénérer comme si c'était un dieu, de s'agenouiller devant, de lui faire des louanges, comme si c'était vraiment une idole. Mais il n'est pas question ici de décoration ou quoi que ce soit qui soit lié à cela, mais bien d'adorer un arbre comme si c'était un dieu. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi dans de nombreuses religions, avec des statuettes ou avec des petites, que ce soit des icônes, avec des images, où on prend un objet et on le loue, on y fait des prières comme si c'était un dieu. Mais ce n'est pas question ici d'avoir un sapin de Noël qui est ni plus ni moins qu'un objet décoratif. Donc je me permets quand même de faire cette parenthèse parce que ce n'est pas un argument qui est juste puisque ce qui est dénoncé ici, c'est le fait d'en faire un dieu. Et en aucun cas, avoir un sapin décoré comme un objet de décoration est ce qui est donné ici. Mais en tout cas, quand on fait un peu la globalité de ce que je viens de vous dire, on se rend compte que Noël est loin d'être une fête chrétienne et qu'il n'y a rien à lier avec la Bible ni quoi que ce soit, et pas même d'ailleurs la naissance de Jésus. Et on va s'arrêter sur ce point un instant, puisqu'il y a beaucoup d'éléments bibliques qui vraiment nous indiquent avec précision que Jésus non seulement n'est pas né un 25 décembre, ni même en décembre, mais il serait né à un mois de l'année qui est bien précis, on va regarder ensemble, et cela pour trois raisons. Il y a plus de points impossibles à développer, mais j'ai pris les trois principaux. Et le premier, c'est tout simplement déjà le recensement. On voit dans Luc 2, au verset 1 à 3, que peu avant la naissance de Jésus, César Auguste avait émis un décret où il voulait que toute la terre habitée se fasse enregistrer. C'est-à-dire que tout le monde devait se faire recenser dans sa ville d'origine, sa ville de naissance. Et pour certains, eh bien, ça pouvait représenter un trajet de plusieurs jours, voire même de plusieurs semaines pour aller eh bien, dans leur ville se faire enregistrer. Et quel était le but de ce recensement? Eh bien, il y en avait deux. Le premier, c'était de lever des impôts sur les peuples. Et le deuxième, c'était de recruter des hommes pour la guerre. Donc, c'était vraiment un décret qui était impopulaire. Et les historiens s'accordent à dire que Auguste n'a sûrement pas ajouté à ce mécontentement celui de faire un long voyage pendant la période hivernale, pendant cette période où il fait froid. Donc il est certain que ça n'a pas été fait au moment de décembre, lorsque vraiment le climat n'est pas adapté, mais ça aurait fait une période beaucoup plus propice où le temps est meilleur. Donc ça, c'est un premier argument. Le deuxième, peut-être que vous connaissez sûrement, c'est dans Luc 2, au verset 8, il nous est dit qu'il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Donc il y avait des bergers dehors avec leurs troupeaux. Et on voit dans un livre qui s'appelle « La vie quotidienne en Palestine au temps de Jésus », donc c'est la source dans laquelle j'ai trouvé cela, que de la semaine avant la Pâque, c'est-à-dire à la fin mars, jusqu'à la mi-novembre, eh bien les troupeaux étaient dehors. Et les bergers passaient l'hiver dans les bergeries. Donc si les bergers étaient dehors, ça veut dire que forcément, eh bien c'était soit, comme je l'ai dit, de la fin mars jusqu'à la mi-novembre. Donc ça, c'est un deuxième argument. Mais le troisième argument, qui est vraiment pour moi l'argument de poids, c'est que nous apprenons dans Luc 1, au verset 35 et 36, que Jean-Baptiste était âgé 6 mois de plus que Jésus. Et Zacharie, qui était le père de Jean-Baptiste, était un prêtre qui officiait dans le temple. Et rappelez-vous l'histoire, à un moment donné, il y a un ange qui vient le visiter et qui lui annonce que lui et sa femme auraient un fils et que ce fils allait préparer le chemin pour le Messie. Vous pouvez retrouver tout cela des versets 8 à 24. Et mes amis, dans ce passage, on s'aperçoit que il y a un élément important qui nous permet de savoir exactement quand est-ce que l'ange est venu voir Zacharie. Parce qu'il nous est dit que Zacharie était un prêtre qui était de la classe d'Abia. Et la classe d'Abia, elle apparaît à d'autres endroits dans la Bible, notamment dans 1 Chronique, au chapitre 24, puisqu'il nous expliquait qu'il y avait 24 groupes de prêtres pour servir dans le temple selon un cycle qui était régulier. Et la classe d'Abia, ou d'Abija, selon les versions, c'était la 8e classe et elle commençait son service d'après les archives juives à la fin mai. Et la Pentecôte tombait la semaine après le service de la 8e classe. Et lors des 3 grandes fêtes qu'il y avait chaque année, eh bien tous les prêtres, toutes les classes de prêtres devaient être présentes. Donc ça signifie que Zacharie, il était
à ce moment-là en service et qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui avant la première semaine de juin. Donc si Jean-Baptiste a été conçu peu après le retour à la maison de Zacharie, c'est-à-dire vers la mi-juin, parce que je vous rappelle qu'il avait demandé un signe à Dieu et qu'il s'est retrouvé muet, donc je pense qu'il avait très envie eh bien, de mettre cette promesse reçue de Dieu à exécution, eh bien, ça montrerait que Jean-Baptiste est né 9 mois plus tard, à savoir à la mi-mars. Donc si Jésus avait 6 mois de plus que Jean-Baptiste, ça nous montre qu'il serait né à la mi-septembre, ce qui coïncide avec le fait que les bergers étaient encore dehors et passaient la nuit avec leurs brebis dans les champs. Donc Jésus serait vraisemblablement né à la mi-septembre. Donc c'est vraiment intéressant, à travers ces 3 points, on a quand même des indications assez précises qui nous montrent que Jésus, non seulement n'est pas né le 25 décembre, mais même n'est pas né ni en décembre, ni en novembre, ni en octobre, mais bien en septembre. Donc, encore une fois, aucune origine chrétienne, même vis-à-vis de la naissance de Jésus. Alors maintenant, la question importante, c'est comment nous positionner en tant que chrétiens vis-à-vis du fait que cette fête est clairement païenne et n'a rien de chrétien. Mais je crois que, comme toute chose, il faut se positionner avec équilibre. Fêter Noël n'est pas un péché, ne pas fêter Noël n'est pas un péché non plus. L'apôtre Paul déclare dans Colossiens 2, au verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des sabbats. » Donc celui qui fête Noël n'a rien de plus que celui qui ne fête pas Noël et inversement. Et on voit dans la suite des versets 20 à 23 que Paul condamne, comme d'ailleurs Jésus l'a condamné à de nombreuses reprises, cette attitude qui consiste à démontrer notre spiritualité en nous abstenant de certaines choses. Donc vraiment que chacun agisse librement et selon le fruit de la conviction qu'il a reçue sans juger les autres. Et ça c'est important, sans juger les autres, mais vraiment de le faire avec conviction, parce que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. C'est une chose qu'il faut prendre au sérieux. Si vous avez la conviction qu'il ne faut pas fêter Noël ou qu'il ne faut pas manger de tel ou tel aliment, très bien, mais vous devez le faire. Et si vous avez la conviction que vous pouvez le faire, alors faites-le. Il faut que nous agissions avec conviction. Je crois en tout cas, personnellement, que c'est un faux combat que de se poser cette question. Parce que la question, ce n'est pas de savoir si oui ou non on doit fêter Noël, mais c'est plutôt de savoir quelle attitude nous devons adopter en tant que chrétien dans cette saison vis-à-vis de notre appel que nous avons tous reçu de partager l'amour de Dieu et de faire des disciples. Notre mission, c'est d'amener les âmes à Christ et de les aider à marcher dans l'amour et dans la vérité. Et quand Jésus était sur la terre, moi, c'est vraiment une chose qui me frappe dans les évangiles, jamais il ne loupait une occasion d'annoncer le royaume de Dieu. Jamais il ne loupait une occasion de passer du temps avec des gens de mauvaise vie, avec des personnes qui étaient vues comme des rebuts par ces personnes qui se croyaient tellement spirituelles, à savoir les pharisiens et les sadducéens. Ils disaient, mais halala, regardez, Jésus, c'est l'ami des pécheurs. Jésus était l'ami des pécheurs. Et est-ce que c'est un titre dont nous sommes effrayés? Parce que chacun d'entre nous devons saisir ces occasions, que ce soit une fête païenne ou pas, que ce soit des gens qui sont mal vus, que ce soit des gens qui soient dans le péché, peu importe. Notre rôle, c'est d'amener des âmes à Christ. Et je crois vraiment que pendant cette saison, mais il ne faut pas qu'on soit focalisé sur l'aspect païen de cette fête, mais plutôt sur l'occasion que cette fête-là nous donne. Elle nous donne une occasion, en cette période de l'année, d'annoncer l'amour de Jésus, de pouvoir atteindre des personnes d'une manière qu'à aucun autre moment de l'année, nous avons l'opportunité d'atteindre. Et nous, nous avons la connaissance de ces choses et savons que, en tant que chrétiens, elles n'ont aucun pouvoir sur nous. Pas plus que d'ailleurs la nourriture. J'avais traité ça dans une autre émission. Alors vraiment que on sache tirer quelque chose de bon de cette fête qui soit pour la gloire de Dieu. On voit dans 1 Corinthiens 10, au verset 31, qui dit « Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Peu importe ce que nous faisons, nous pouvons le faire pour la gloire de Dieu. Et que ce soit le 25 décembre, ou le 1er mars, ou le 1er juillet, peu importe, nous pouvons vivre pour la gloire de Dieu en célébrant la venue de Jésus sur la terre, pour mourir à la croix pour notre péché, même si nous savons que ce n'était pas à cette date, peu importe. À chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur, qu'on se souvient de ce qu'il a accompli à la croix, eh bien on ne le fait pas seulement à Pâques, mais on le fait à plusieurs moments dans l'année. Alors on peut très bien aussi le faire un repas de famille en célébrant
eh bien, la naissance de Jésus. Et si vous êtes dans une famille non chrétienne et que c'est pas du tout ça qui est célébré, mais simplement le sapin et les cadeaux, eh bien, ramenez cette valeur-là, ramenez cet aspect historique, même si, en tout cas, il n'est pas biblique, qu'il y a autre chose à célébrer, le fait qu'un jour, Dieu a envoyé son Fils unique pour mourir pour chacun d'entre nous à la croix. Rappelez-vous, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Est-ce que nous aimons le monde comme Dieu aime? Est-ce que nous sommes prêts à saisir toutes ces opportunités pour annoncer l'amour de Jésus, pour annoncer ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous, pour tous les hommes sur la terre, aussi pécheurs soient-ils, peu importe la période de l'année, peu importe l'endroit où vous habitez, il y a une opportunité. Alors vraiment, saisissons-la et annonçons l'évangile à ceux qui en ont besoin. Voilà sur quoi doit être portée notre attention, je crois, en cette période-là, comme d'ailleurs ça doit être le cas chaque jour. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura encouragé, vous aura peut-être même aidé à prendre une décision. N'hésitez pas à la liker, à la partager et aussi à la commenter, à donner vos retours, vos impressions, toujours dans l'amour, dans le respect. Mais n'hésitez pas aussi à nous dire voilà ce que vous pensez de ça, si vous avez des idées de thèmes que vous voudriez voir abordés. C'est là pour ça. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle émission.